Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je partage avec vous la valise de maternité pour bébé, ce que j'apporte à l'hôpital pour le bébé, pour le séjour en maternité. Je vous avais déjà montré ce que je vais apporter pour moi-même et aujourd'hui vraiment j'espère que pour bébé et ce que j'avais trié pour moi, que tout va entrer ici. Que j'ai un seul sac pour l'hôpital, un seul c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Avant de continuer dans la vidéo, je souhaite vous dire merci les amis, merci pour vos retours, merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement, merci pour vos commentaires. Vous avez été vraiment bienveillants dans les précédentes vidéos, vraiment merci infiniment, merci beaucoup. Mes anciens abonnés, merci. Mes nouveaux abonnés, merci. Je vous vois arriver. N'hésitez pas à partager autour de vous. Pour ceux qui vont découvrir ma chaîne à travers cette vidéo-ci, je m'appelle Nathalie, je suis maman, je vis au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le lifestyle camerounais et la vie de maman. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je partage avec vous ce que je vais apporter à l'hôpital pour bébé. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai partagé ce que je vais apporter pour moi. Je vais vous la mettre en description pour que vous allez regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, pour l'hôpital, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vous partage tout ça. Avant de continuer, je vous partage une anecdote. J'ai passé aujourd'hui, quelqu'un me dit, ah, fatiguée, tu t'es déjà tissé pour le jour J. Je me suis tournée, j'ai regardé la personne. J'ai dit, je réponds ou je ne réponds pas. Les amis, quel jour J? La coiffure, si je vais m'encore détacher. Je vais m'encore détacher. Sauf si je vais aller accoucher avec une tête vraiment. Sauf si je vais aller accoucher avec les cheveux vraiment sales, sales. Ça là, je vais encore détacher. Les gens sont même comment? Les gens sont comment? Après, quand la personne va te revoir, la personne va te dire fatiguée, donc tu manges encore. Voilà les gens, les questions que je déteste alors. Je déteste alors ce genre de questions. Désolée pour les bruits de mon dos. Je déteste ce genre de questions jusqu'à. Tu accouches quand? Donc tu tires encore le ventre? Donc tu manges encore? Fatiguée, on veut déjà venir manger le cuir. Qui vous a dit que je mange même votre cuir là? Bref, c'est un peu ce par quoi on passe au quotidien. Certains vont te dire Zangaye wa Asia, et comme j'ai le ventre. J'ai quoi? Le grand frère du sac. Regardez le ventre de quelqu'un. Regardez le ventre d'une personne. Regardez le ventre. En tout cas, let's go. Bon, pour l'hôpital, qu'est-ce que j'ai prévu? Demi-paquet de couches. Je ne suis pas partie avec tout. Je n'ai pas pris tout le paquet. Ça va m'encombrer et tout. J'ai enlevé d'autres que j'ai mis dans la commode là. Et je ne suis pas avec ceci. Si ça finit, on viendra chercher l'autre. J'ai également pris une couche carrée. Je sais pas trop. Peut-être pour mettre le bébé dessus, je sais pas. J'ai pris les caleçons pour bébé. J'ai un peu changé la position de l'éclairage pour qu'on puisse voir un peu au moins les petites couleurs qu'il y a sur les vêtements. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Étant donné qu'il y a déjà un dans mon petit sac là, je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous partage mon sac de naissance. Il y a un caleçon dedans, ça va me faire un, quelque chose comme 6 au total. Donc voilà, là c'est 5 caleçons. Après j'ai pris les 3 gants. Les gants c'est quelque chose qu'on utilise vite, ça se salit et tout. J'ai pris 3 gants. Les chaussettes. J'ai pris, là on est sur 5 paires de chaussettes, plus la chaussette qui est dans le sac de naissance. Là, 5.
J'ai pris une autre serviette. J'ai pris un sorti de bain. Ça, c'est le sorti de bain. J'ai pris deux ensembles. Donc, les ensembles naissance, là, peut-être deuxième jour. Ça. J'ai pris ça. Voici le chapeau qui va avec. Et voici le bavoir. Vu que les ensembles étaient venus plusieurs dans le paquet, voici l'autre. Donc dans ceci, on peut mettre même un body long manche. Dans ça. Ah, j'avais prévu une autre couche. Donc j'ai pris deux couches alors. Deux couches. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir, mais je prends quand même deux couches carrées. Comme s'il va même pleuvoir là. J'ai pris les mignonnes chaussettes ici. J'ai pris ça. Et j'ai pris le bandeau qui va avec. Je sais pas trop si ça va lui aller déjà à la naissance. Bon, on prend quand même hein, pour faire un peu chic petite princesse. J'ai pris un drap bébé, je sais pas trop si j'aurai un berceau là-bas. Bon, on prévoit quand même. J'ai pris la laisse bébé, mais là ça sera pour moi, bébé n'aura pas besoin. Donc je vais mettre ça sous le drap. Je vais mettre ça sous le drap, ou alors je mets sur le drap et je mets un panne dessus. Là je m'assois. Je ne mets pas le cachet sur mon drap. Vous voyez de quoi je parle. Donc, je mets ça sur le drap. Quand on finit de dresser mon lit, je mets un panne dessus. Et quand je veux m'asseoir, c'est dessus que je m'assois. Ou même quand je veux me coucher. Comme ça, le drap peut faire même un jour. Donc là, normalement, ça devait être dans mon sac. Mais bon. J'ai pris, je sais pas comment je vais appeler ça, porte bébé ou quoi, ou quoi. Le truc ici là. Porte bébé ici. Donc on emballe le bébé avec et voici la corde pour emballer. Je l'avais acheté à la naissance de Elsa et c'est très top, très top. Voici la corde qui va avec pour bien emballer le bébé. Mais je pense que ça sera beaucoup plus pour la sortie. Ceci sera beaucoup plus pour la sortie. Parce qu'il y a un deuxième, ce qui est venu avec l'ensemble là. Voilà, voici le deuxième. C'est venu avec l'ensemble là. Pour porter le bébé. Et le deuxième, si voici sa corde. J'ai pris le mayanga du bébé. J'ai pris le gel lavant. J'ai pris le paquet de compresses que j'avais acheté. J'ai pris un paquet de lingettes. C'est très pratique à l'hôpital. On ne se casse pas la tête à l'hôpital. J'ai pris l'eau de cologne de bébé, oh là là, l'eau de cologne, pour ses cheveux, pour que bébé sente bon. J'ai pris Mobi, même le gel lavant, c'est Mobi. J'ai aussi pris la savonnière, le savon. Comme je vous ai dit, il y a les hôpitaux qui exigent pour le bain de bébé, le mayanga et le savon chat. Parfois, les infirmières viennent pour laver le bébé, donc elles vont te prendre un gant. Le mayanga et le savon chat. Quand les infirmières viennent prendre le bébé pour laver, elles ne veulent pas les gants de lait, machin. Elles exigent mayanga, savon chat. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, dans vos hôpitaux où vous avez accouché, comment ça se passe. Que vous soyez au Cameroun, en Afrique ou ailleurs. Donc, comme j'ai pris le savon chat, j'ai aussi pris la savonnière qui va avec. Maintenant, niveau vêtements, voici tout ce que j'ai prévu.
Je sais que je mettrai quand même entre 5 à 6 jours à l'hôpital. Donc j'ai prévu ça comme vêtement. Je vais tout vous montrer. J'ai pris des bodys comme ça. J'ai pris 2, 3, 4. Non, ça c'est pas les bodys. Pyjama, j'ai pris 4 pyjamas. 4 pyjamas. Je plie directement hein, pendant que je vous parle. Ah, c'est quelle manifestation qui passe dehors là comme ça? Premier body, deuxième body, vous voyez que c'est des petites tailles. Des petites tailles parce que j'aime que bébé soit quand même bien dans ses vêtements, pas qu'il soit trop petit dans les vêtements. Je n'aime pas quand le bébé est trop petit dans les vêtements. Voilà pourquoi je prends différentes tailles. Même si l'enfant porte sur 2 semaines et ça lui va plus, il n'y a pas de problème. Va pleuvoir, faut que je me dépêche avant qu'il n'y ait de façon chaud. Donc il y a aussi ceci, cet autre pyjama ci. Autre pyjama, dans ça on va mettre un body longue manche dans ceci. J'ai pris plusieurs bodys. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai prévu 5 bodys. Vu que dans le petit sac de naissance, il y a déjà un, ça me fait un total de 6. Donc, je vais aussi plier direct. Vous voyez, c'est toujours les bodys, les petits bodys là. Premier, 0 à 1 mois, 50 centimes. J'aime quand bébé entre dans ses vêtements, même s'il porte pendant 2 semaines. Surtout les premiers jours, là, quand l'enfant est petit, l'enfant est comme ça, les habits sortent ici, tout. J'aime pas. Je n'aime pas. Donc voilà, toujours les premiers mois là. C'est quoi? 0 mois. C'est même écrit ici, 0 mois. C'est ça, les petites tailles. Donc, ça fait un total de 5. Le cinquième. J'ai aussi prévu les bavoirs. Parce que le bébé étant tout petit, le bébé va laisser tomber le lait. Donc là, j'ai prévu 1, 2, 3. Vu que j'ai acheté les bavoirs de différentes tailles, ici j'ai pris les petits. J'ai pris les petits pour un petit bébé. Regardez ce modèle de bavoir. C'est la première fois que j'achète ce modèle-ci. C'est la toute première fois que j'achète ça. Je prends toujours les trucs qu'on attache là. Donc là aussi, on a 5 bavoirs. Non, j'ai même pris jusqu'à 6. Voilà. 6 parce que je change tout le temps. Je change tout le temps les bavoirs sur bébé. Dès que tu finis de manger là et que ça s'est versé, hop, on retire et c'est de côté. Après, il y a les bulles. Vu que j'accouche en saison pluvieuse, il va faire froid. Donc, il y a les bulles. Dès que tu peux mettre body, pyjama, pull. Et puis, on emballe bien le bébé. J'ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 4 pulls. J'ai pris 4 pulls. Les pulls là sont légers comme ça, mais ça chauffe. Ça chauffe bien même. Les trucs tricotés s'y chauffent bien même.
J'ai pris un petit chapeau, le genre qu'on attache là. Je pense que je vais même couper la corde ici et mettre sur un autre chapeau là qui n'a pas de corde. Je vais couper ça. Là, c'est combien de chapeaux? J'ai pris 5 chapeaux. Voilà. 5 chapeaux. Parce qu'à chaque fois qu'on habille le bébé, il faut lui mettre le chapeau. Tous là sont les chapeaux boutiques. On va plier comme ça et le bébé va prendre. Voilà comment ça va se faire. L'autre ici va se présenter comme ça avec sa petite fleur. Ceci aussi avec sa petite fleur. Cela avec sa petite fleur. Donc j'ai pris un total de 5 chapeaux. J'ai aussi pris 2 pantalons. On va mettre pantalon, body, pull, chaussettes. Voilà tout ce que j'ai prévu pour le séjour en maternité. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous ajoutez. Et il y a aussi la moustiquaire. Je vais partir avec la moustiquaire. Ma mère ne m'a pas encore remis la moustiquaire. Bref. De toutes les façons, elle va me trouver avec ça. Il y a la moustiquaire parce que je préfère avoir une moustiquaire propre que d'avoir leur moustiquaire là. Après ça, il y a quoi pour bébé. C'est tout ce que j'ai prévu. En tout temps, si je me rappelle de quelque chose que j'ai oublié, ou alors que vous me rappelez en commentaire de quelque chose que j'ai oublié, je vais prendre, ajouter dans le sac. Mais le plus important, c'est que le sac soit déjà prêt. Ma mère dit toujours qu'il faut être prêt à partir de 7 mois. Parce qu'elle, elle a accouché à 8 mois. Elle a peut-être 2 enfants qu'elle a fait à 8 mois. Et la première fois, ça l'a surpris. Donc c'était chaud. Donc maintenant on va tout ranger dans le sac. Donc voilà tout ce qui est tout ce qui va aller à l'hôpital. Voilà tout et je vais mettre dans ce sac-ci, espérant que les autres de mon sac de maternité puissent aussi entrer. Dans la vidéo où je vous ai partagé ce que j'apportais à l'hôpital pour moi-même, vous avez été nombreuses à être surpris de la quantité des choses que j'ai apportées. En fait, les amis, c'est parce que là, je vais pour une troisième césarienne. J'accouche par césarienne et je sais déjà que je fais un minimum de 6 jours à l'hôpital. Voilà pourquoi j'ai tout cet équipement-là, que ce soit pour moi et pour bébé. En ce qui concerne moi, mes vêtements, c'était dans le sac bleu, vous avez vu dans la dernière vidéo. Mais comme j'ai envie d'aller avec un seul sac, je vais essayer de tout mettre dans ce grand sac-ci. Moi, je change beaucoup parce que avec les saignements après accouchement, dès qu'il y a une fuite là, ce que je ne souhaite pas déjà, voilà pourquoi j'ai même acheté les serviettes lâches. Mais dès qu'il y a une fuite, vraiment, je me change et ça va dans le plastique de linge sale. Et généralement, à la maison, il n'y a pas directement quelqu'un qui va laver et envoyer à l'hôpital. Voilà pourquoi je vais avec ce qu'il me faut. C'est toujours mieux d'être quand même prêt pour le séjour. Donc les amis, voilà la raison pour laquelle j'ai tout un gros sac. On dirait un déménagement, mais c'est parce que j'y vais pour une césarienne, la troisième. On prie Dieu que tout se passe bien. Ici, ce sont les examens échos, j'ai mis ici. Et ici, ce sont d'autres documents qui vont servir à l'hôpital, en tout cas. Mais là, on n'entre pas. Il y a ceci qui n'entre pas. Je ne sais pas, alors. Il y a ça. Les couches qui n'entrent pas. J'avais oublié de vous montrer un truc que j'ai enlevé de la commode là, que je vais aller à l'hôpital avec. J'irai à l'hôpital avec Colinil. C'est l'utilisation pédiatrique contre les coliques. Colinil est une utilisation pédiatrique contre les coliques du bébé. Donc je préfère aller à l'hôpital avec directement. Et aussi les cotons-tiges de bébé. Vu que je ne peux pas enlever juste un, c'est pas hygiénique. Je ne peux pas avoir le paquet.
J'ai aussi enlevé un peigne pour les cheveux de bébé. Je vous avais montré dans une précédente vidéo le paquet de peigne que j'avais acheté. Donc j'ai enlevé un comme ça pour l'hôpital. Alors les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous prie de liker la vidéo si vous avez oublié. S'il vous plaît, likez la vidéo. Ça motive à continuer à travailler parce que ça va mettre la vidéo en avant et elle aura plus de vues. Je ne sais pas si j'ai mal rangé. Je ne sais vraiment pas. Mais voilà ce que ça donne. Il reste les couches de bébé. Il y a le paquet de serviettes hygiéniques qui n'est pas entré. Les couches de bébé qui ne sont pas entrées. Il y a ceci qui n'est pas entré. Et ça. Je peux le prendre dans un deuxième sac comme ça. Pour me mettre ceci même dans les seaux. Pour me mettre ceci même dans le seau qui va aller à l'hôpital. Et arrivant à l'hôpital, on trouvera peut-être une table ou ranger ça. De toutes les façons, je devais faire l'autre sac ou autre chose, hygiène de l'hôpital et tout. Ça va entrer dedans. Donc voilà. Pour l'instant, on pose ça comme ça. Donc les amis, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ce sont des gestes qui me motivent beaucoup. Une fois de plus, merci d'être sur ma chaîne. Merci pour vos retours. Merci pour vos partages. Ça me motive énormément. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.